Vintimille est une ville italienne, de la province d'Imperia, en Ligurie, à la frontière franco-italienne. Son agglomération regroupe environ 55 000 habitants. Vintimille est située à la frontière franco-italienne, du côté italien, à l'extrémité occidentale de la Riviera. La ville se trouve à 6 km de la frontière, sur les rives de la mer Méditerranée, au débouché de la vallée de la Roya. Le point culminant de la commune est le mont Gramondo, altitude 1378 mètres, situé sur la frontière. Albium Intemelium, ville principale des locuteurs du dialecte ancien intemélien, située selon Pline l'Ancien, rive gauche de la Roya. Strabon traduit ce toponyme par Intemelium des Alpes. Le toponyme Albium s'explique en effet par le gauloise Albalbio Alp, qui signifie mont de ville d'en haut. Le toponyme donnerait ville du massif des Intemeliens. Au lieu dit Ibalzi Rossi, les rochers rouges, près de la frontière, des grottes ont révélé des restes préhistoriques de l'homme de Grimaldi. La grotte du Prince, mise au jour en 1846, lors des fouilles de Balzi Rossi, est un héritage qui remonte au prince Florestan Ier de Monaco. Vintimille fut la capitale des Ligures Intemelii, puis une ville romaine, appelée Albium Intemelium, ou Albintimilium, abandonnée à la période de l'invasion lombarde, au profit d'une implantation sur la rive droite de la Roya. À partir de l'intervention de Pépin le Bref, en Italie, en 754, Vintimille fit partie des possessions carolingiennes. Le comté de Vintimille dépend du marquisat de Suse. Vintimille a été la capitale du comté de Vintimille, fondé vers 950, s'étendant du mont Agel, au-dessus de Monaco, au Capo Nero, l'actuel San Remo, et comprenant les vallées de la Roya et de la Bévéra. Ce comté a été d'abord géré en indivision par les membres de la maison de Vintimille jusqu'au XIIe siècle. En 1222, la République de Gênes s'empare de Vintimille et de la basse vallée de la Roya. Les comtes de Vintimille conservent la haute vallée de la Roya, avec Tende comme capitale. Le comté finit par être partagé entre la Provence et Gênes, lors des conflits entre Guelfes et Gibelins, d'abord en 1258, traité d'Aix puis traité de Lucéram. Ne pouvant reprendre la ville de Vintimille, les comtes de Vintimille échangent en effet avec le comte de Provence, Charles d'Anjou, leur comté italien, contre des possessions provençales, dont la terre de la Verdière, située dans l'actuel Var. La branche de Lascaris, qui a conservé le titre de comte de Vintimille, après un long conflit avec le comte de Provence, a gardé ses fiefs, dans ce qui est aujourd'hui le département des Alpes-Maritimes, sous la condition de prêter hommage au comte de Provence. C'est un siège épiscopal ancien, une co-cathédrale, partagée avec San Remo. Le dialecte roman parlé à Vintimille est le ligure intemélien. Le nom de Vintimille lui-même est d'origine intemélienne. Vintimille est l'un des grands seuils de franchissement des Alpes, le seul qui ne soit pas situé en altitude et ne soit donc pas soumis aux aléas climatiques. Le relief est cependant accidenté et la circulation routière peu fluide. Vieux quartier se trouvant juste à l'ouest de l'embouchure du fleuve Roya, avec, à droite, la passerelle Squarcia-Fichy. Route et autoroute Vintimille est desservie par l'autoroute italienne A10, qui relie Gênes à la frontière française, en continuité avec l'autoroute française A8, la Via Aurelia, strada statale, qui relie Rome à la France, en continuité avec la Nationale 7 française, et la S20, qui vient de Turin, par le col de Tende, où elle est relayée en territoire français par la N204, et achève de descendre la vallée de la Roya. Chemin de fer. L'éventuelle construction d'une ligne à grande vitesse Gênes, Marseille, voire Gênes, Barcelone, permettrait de donner au chemin de fer une part importante du trafic international, actuellement assuré principalement par route. Le changement de traction et de personnel en gare de Vintimille rend les relations internationales assez lentes.
De plus, la ligne de Gênes est à voie unique et les croisements y sont difficiles. Vintimille est une gare internationale, à la jonction de la ligne française de Marseille-Saint-Charles à Vintimille, frontière, de la ligne Vintimille-Gênes italienne, et de la ligne Turin-Vintimille franco-italienne. Les circulations en provenance ou à destination de la Côte d'Azur sont conduites par le personnel français avec un matériel de traction français. Par ailleurs, et de façon plus marginale, Vintimille est la dernière gare de la ligne de chemin de fer, descendant la vallée de la Roya, depuis Tende, et Coni, en Italie, après avoir franchi le tunnel ferroviaire du col de Tende. À Breil-sur-Roya, cette ligne rejoint la ligne de Tende, venant de Nice. Musée. Le musée archéologique de Vintimille, Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi, est installé à proximité de la vieille ville, dans le fort della Nunziata dominant la mer. Il présente de riches collections d'archéologie romaine concernant Albintimillium, Vintimille, et sa région. Depuis peu, les parties basses du fort proposent des thématiques complémentaires. La cathédrale de Vintimille. La cathédrale de Vintimille a été érigée durant les 11e et 12e siècles, sur les ruines d'une cathédrale d'époque carolingienne. Elle présente en sous-sol une crypte et un baptistère du 11e, ainsi que des vestiges de l'ancienne cathédrale. L'église Saint-Michel, du 11e siècle, conserve trois bornes miliaires romaines, de la Via Julia Augusta, date pour l'une, de la période d'Auguste, et pour les deux autres, de celle de Caracalla. L'oratorio d'Henri, l'oratoire des Noirs, bâti en 1650, pour la Compagnia della Misericordia, chef d'œuvre de l'art baroque. Manifestation. Le grand marché du vendredi, sur le bord de mer. La grande bataille des fleurs, au mois de juillet. Le marathon de Monaco, et des Riviera. Mes sources proviennent notamment de Wikipédia.com. Les images produites proviennent soit de la toile, soit de mes collections personnelles. Ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, grâce à TextSpeaker, de la société d'Escochard.